À ce jour, il n'existe aucun traitement de la maladie d'Alzheimer. Et nous pensons que cela pourrait être dû à l'inclusion trop tardive dans des essais visant à la contrecarrer. Or, nous pensons aussi qu'il existe des symptômes spécifiques de cette maladie que l'on pourrait mettre en évidence bien des années avant la date réelle du diagnostic qui est posé couramment. Et donc, la Fondation pour la recherche sur Alzheimer finance un des projets de recherche que nous avons mis en place au sein de la Pitié-Salpêtrière. L'engagement de tous est absolument nécessaire pour que nous continuions à faire des avancées intéressantes contre cette affection qui est terrible et qui touche 1 million de personnes en France actuellement et jusqu'à 3 millions si l'on intègre également les personnes qui sont indirectement touchées, c'est-à-dire les proches, les aidants des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.